Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'explique comment rincer, laver et sécher ta serviette lavable la Wick Up. Et tu vas voir, c'est franchement pas bien compliqué. Raison tu ne peux pas utiliser un lave-linge, c'est pas un souci, tu peux très bien laver tes serviettes de la Wick Up à la main. Pour cette option, c'est très simple. Dans un premier temps, tu vas rincer tes serviettes à l'eau claire et froide pour enlever l'excès de sang qu'il y a sur tes serviettes. Ensuite, tu prends une bassine, tu vas la remplir d'eau, tu y rajoutes à peu près une cuillère à soupe de lessive au savon de Marseille et tu vas frotter tes serviettes comme si tu lavais du linge classique jusqu'à temps qu'elles soient bien blanches. Et tu les laisses tremper à peu près 15 minutes. Tu peux les rincer à l'eau claire abondamment et ensuite les sécher à l'air libre ou à sèche-linge pour aller plus vite. Si on récapitule, une fois arrivé chez toi, tu la rinces abondamment à l'eau froide, c'est important, de l'eau froide. Tu les mets ensuite avec ton linge comme une machine classique et tu mets le tout à 40 degrés. Tu peux même laver tes serviettes hygiéniques lavables jusqu'à 90 degrés. Pour le séchage, comme le reste de ton linge, à l'air libre. Si tu n'as pas le temps d'attendre toute une nuit que tes serviettes sèchent à l'air libre, ça peut être long. Tu peux très bien utiliser le sèche-linge. Les serviettes de la Wick Up le supportent très bien, contrairement à d'autres marques. Autre chose, ne mets pas d'adoucissant dans ta machine à laver si tu laves tes serviettes lavables. La faire tremper dans une bassine avec 2 cuillères à café de percarbonate de sodium. Ensuite, une fois que tu as une machine à faire, tu essores bien tes serviettes lavables. Tu les mets ensuite avec ton linge comme une machine classique. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Je te dis à bientôt.